Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. Je déclare le 18e Festival Bernard Dimet ouvert. Je déclare également que le collège Dolto a une fierté de caractère. Femme qui sommeille en moi, hypnotise-moi, érotise-moi, réveille-moi, réveille-moi, car j'ai dormi 100 ans derrière un mur de ronces, appris à faire semblant quand un sourcil se fronce, d'éprouver de l'émoi pour apaiser une crainte aussi masculine. Être un gros. Pourtant, quand je suis à jeun, je modère mes opinions, je signe les éditions, j'évite les lieux communs. J'ultime ma tolérance, j'écoute les gens parler, j'argumente sans hurler. Je mets les choses en balance, en tout cas au début. Et on pêche, on n'a plus un rond qui pourrait passer sous ton pantalon. Je te propose que tu sois joyeuse, un poème en fond avec tes vinceaux. Camille est contente d'être avec sa nouvelle amie. Elle lui raconte des histoires, lui fait visiter sa maison. Elle lui présente ses parents, son frère et sa sœur. Pour finir, elle va se promener avec elle dans le jardin. Lily est bien aussi. Elle va passer une bonne journée sur le bout de ce nez. Maïcha bafouille, m'emmène en vagrouille, et carabistouille dans ma boîte grouille. Maïcha bafouille, m'emmène en vagrouille, les carabistouille dans ma boîte grouille. Il y avait du chewing-gum dans ma boîte aux lettres, bien à feu Jojo,
avait déposé. Le bougon n'avait pas de quoi pavoiser. Qui était-il donc? La femme s'appuie contre l'homme. L'enfant s'endort dans les bras de la mère. L'homme partage ses regards entre la mère et l'enfant. La mère est droite. Quand elle était seulement femme, elle aussi cherchait un appui contre des épaules plus larges. À présent, l'enfant qu'elle a recueilli dans la corbeille de ses bras lui permet de se tenir droite sans autre secours. La cloche vient de sonner au collège Garbeau. Je termine mon café, c'est l'heure de se mettre au boulot. Coincé dans un couloir avec des ados hystériques, je sens qu'en classe il va falloir que je passe mon temps à faire le flic. Parce que mon taf c'est de lire Rimbaud, c'est de faire découvrir Mallarmé, c'est de faire aimer Victor Hugo à des fans de Christophe Mahé. C'est de leur réciter du Baudelaire qu'ils aiment trop pas, la Scrobolos. Faudrait que je leur fasse kiffer leur mère juste en leur lisant l'Albatros. Je suis devenu prof, bordel. Et quand je fais cours, tout le monde ricane. Je suis devenu prof, mon job c'est de lire Corneille à des jeunes boutonneux qui rêvent d'avoir la carrière de Zidane. Je suis devenu prof. Facebook, Facebook, j'ai plein d'amis quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie je suis qu'un plouc. Je reçois des cœurs, des clips, des roses, des smiles, des câlins, des bisous, des kisses, des cools, de nobles causes, des photos de Tizi Ouzou. Il y a dans ma messagerie 20 Catherine, 10 Malinka, des filles d'Abidjan, de Russie, qui rêvent toutes de vivre avec moi. Facebook, Facebook, j'ai plein d'habits quand je suis sur Facebook. Bienvenue dans le Youth Festiloc. Je serai ton assistant durant l'aventure. Je suis parti là-bas dans la Louisiane, je
il allait voir Blackie sur son bateau. J'ai rencontré Maudrey, charmante dame, et tous les soirs j'étais au pied de l'eau. J'ai mangé des plateaux, des crevisses, du gombo et du champalaya, la Nouvelle-Orléans jusqu'à Nice. Dans les bayous, j'ai vu les poissons-chats. J'ai croisé Eugène et sa famille. Nous sommes très heureuses de vous voir. Ravie, charmée, etc. Pourtant, nous aimerions savoir ce que vous foutez là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas d'amis? Qu'est-ce que t'arrive? T'as pas d'amis? T'as des problèmes sentimentaux? Et les meufs? Ouais. Il y a un problème grammatical là. Nous l'a déjà dit. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas d'amis? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas d'amis? T'as des problèmes sentimentaux. Et tu nous as pris pour ton psy. Et tu nous as pris pour ton psy. Allez, remballe ta carte vitale. On est des enfants de la comté. Si je te raconte tout ça, vois-tu, c'est parce que nos vies ne sont que des questions de point de vue, de point de vue, de point de vue, de point de vue. Parfois, j'essaie d'être belle. Je sors le grand jeu, les guipures, les dentelles, les fins de sous le maquillage. Dans la rue, on me dévisage, je suis aux anges. Mais c'est étrange, personne ne m'adresse la parole. Quelqu'un prononce même le mot folle, je comprends pas. Mon charme n'opère pas. Il y a quelque chose qui cloche chez moi, quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais chaque fois que je pose la question, impossible de savoir quoi. Je sais pas, t'es peut-être un peu... Non mais ça va, t'inquiète, ça va. C'est juste que... Mais vraiment à peine, hein.
ça se remarque même pas. Parfois, j'essaie... L'arc. Qu'est-ce ? Une chanson, texte et musique, ça s'abîme, ça s'use, ça se rouille, ça se répare. Ne laissez plus vos vieilles chansons se dégrader. Réparation, rénovation, léophérisation à froid, simplification ou lipienne. Alain, excusez-moi. Oui. J'aimerais que tu te ramènes devant. Oui. Et que tu sois là, de temps en temps. Là, comme ça ? Voilà. Oui. Nos procédés brevetés sauront trouver la solution à votre problème de chanson. Tu serais pas mal, toi, comme Pépé. T'as tout ce qu'il faut pour gagner de l'or. Ta daronne, elle t'a pas loupé. Faut lui dire qu'elle en fasse encore. Et puis t'as des chasses à mystère. Un joli petit monde au balcon. T'as tout ce qu'il faut pour faire carrière. C'est dommage que tu sois si con. La poule ne se plaît que chez les paysans, ils en ont des basses-cours pleines. Celles qui font des œufs d'or sont beaucoup plus gentilles que les autres, alors on n'a pas le droit de les tuer. On les appelle des poules de luxe. Elles coûtent beaucoup plus cher que l'on croit. Il paraît qu'il y a des femmes qu'on appelle aussi des poules. Personne n'a voulu me dire pourquoi. Papa m'a juré qu'il n'en connaissait pas. Dès qu'il en connaîtra, il me le dira. Et dès qu'elles auront des dents, les poules, maman m'achètera une mobilette. Si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous l'amour. Qui s'ennuie en Bolivie, sablon.